L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Employé comme une puissance de Dieu, le 4 juillet. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 7 et 8. Un ouvrier peut être un orateur éloquent, un autre peut se révéler un écrivain talentueux, un autre peut avoir le don de la prière sincère, fervente et sérieuse. Un autre peut avoir reçu le don du chant. Un autre peut avoir un don spécial, lui permettant d'expliquer la parole de Dieu avec la clarté qu'il se doit. Chaque don est appelé à devenir une puissance de Dieu parce que celui-ci collabore avec l'ouvrier. À l'un, Dieu donne une parole de sagesse. À un autre, la connaissance, à un autre, la foi. Mais tous doivent agir sous l'autorité du même chef. La diversité des dons a pour conséquence la diversité des actions, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, verset 6. Le Seigneur désire que les serviteurs qu'il s'est choisis apprennent comment s'unir en vue d'un effort harmonieux. Certains peuvent penser que le contraste existant entre leurs dons et ceux d'un compagnon de service est trop important pour leur permettre de s'unir dans un effort harmonieux. Mais quand ils comprennent que beaucoup d'âmes doivent être touchées et que certains rejetteront la vérité telle qu'elle est présentée par un ouvrier, ils entreprendront, avec beaucoup d'espoir, d'œuvrer ensemble dans l'unité. Leur talent, quoique variés, peuvent être placés sous le contrôle du même esprit. Dans chaque parole et dans chaque action, la bienveillance et l'amour seront manifestés. Et si chaque ouvrier assume fidèlement la fonction qui lui a été assignée, la prière du Christ en faveur de l'unité de ses disciples sera exaucée et le monde saura que ceux-là sont ses disciples. Dans une atmosphère de sympathie aimante et de confiance, les serviteurs de Dieu s'uniront les uns aux autres. Celui qui dit ou fait quoi que ce soit, qui tende à séparer les membres de l'Église du Christ, contrefait l'œuvre du Seigneur. Les querelles et les dissensions dans l'Église, ainsi que l'incitation à la suspicion et à l'incroyance, déshonorent le Christ. Dieu désire que ses serviteurs cultivent une réelle affection chrétienne l'un envers l'autre. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.